Zambaba surprise inattendu. Na benga kayo Zambaba tatike bele Yesu. Na na yabilika nisina yo ya tombo tombo. Zambaba salanga bola moka nisa kanela ngai. Liba kumala muna ngai api. Yo Zambé, Zambé, ya koye pananzemo. Nous te disons merci, Père de gloire. Nous te disons merci, éternel, notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci, Père très tendre. Nous te disons merci, éternel, notre Dieu. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Et merci pour ces moments que tu nous donnes. Celle d'écouter ta parole, Seigneur éternel. Merci pour ta miséricorde. Sois béni, sois élevé, sois glorifié à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? C'est une joie pour moi de me tenir devant vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et je suis très content de vous voir en face. Vous qui nous suivez en ligne et même quelques-uns qui sont avec nous ici. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Nous sommes très heureux de partager le message de ce matin qui a pour thème fixé les yeux sur Jésus. Fixer les yeux sur Jésus, c'est bien évidemment notre thème du mois. Nous savons très bien que nous marchons. Partout où nous marchons, sans les yeux, nous ne serons pas à mesure de bien marcher. Mais parce que nous avons les yeux, nous avons fixé un cadre. Par exemple, tu t'es dit, je veux arriver sur magasin. Et puis tu marches sans trébucher et puis tu arrives. Mais ici, on nous dit de fixer les yeux sur Jésus. C'est là que nous allons comprendre ce que ça veut dire fixer les yeux sur Jésus. Nous passons à la lecture du message ce matin. Nous sommes dans le livre, dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 12e. Nous allons lire tout simplement deux versets. Le verset premier et le deuxième verset. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance le brève qui nous est proposé. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte,
attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de cette lecture, et notre thème qui est fixé les yeux sur Jésus, ça nous a beaucoup interpellés. Même quand j'étais en train de méditer sur fixer les yeux sur Jésus, je me suis dit, c'est quoi fixer les yeux sur Jésus? Nous allons comprendre ensemble. Avec cet exemple que nous allons donner, qui va nous amener même à notre sous-thème. Vous savez, quand vous rencontrez un militaire devant son supérieur, qui lui dit, mets-toi. Aussitôt il se met. S'il lui dit tu, aussitôt il tue. S'il lui dit, en tout cas aujourd'hui, débarrasse-toi de ces lieux. Il va le faire. Et j'ai même remarqué, si un militaire te dit, va, et puis toi tu commences à dire pardon, c'est comme si tu es en train de l'énerver. Parce que dans son service, il a pris une chose. Le supérieur dit quelque chose, on doit automatiquement obtenir. Ça ne doit pas faire objet de supplications sur les conditions. Mais au-delà de cet exemple, nous voyons aussi le centurion de Capharnaüm. Lui, il dit, j'ai des serviteurs. J'ai des soldats sous ma dirigeance, si je peux dire. Mais si je dis à l'un, va, il va. Si je dis à l'autre, il vient. Ayaka. Mais comme je suis venu vers toi, Jésus, tout ce que toi tu vas dire, moi aussi, Ngaïpe, je vais obtempérer. Ça, nous comprenons très bien. L'obéissance est à la base de toute chose. J'aimerais que nous puissions comprendre ce matin, fixer les yeux sur Jésus. Dans le sens de l'obéissance. Voilà le sous-thème de ce matin. L'obéissance. Nous allons obéir alors à qui quoi. Quand nous allons fixer les yeux sur Jésus, c'est bien aussi d'obéir en premier lieu Jésus lui-même. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimé de Dieu, pour bien comprendre ces messages, nous l'avons subdivisé en deux parties. La première partie, nous allons parler de se débarrasser du vieil homme. Parce que c'est lui qui est obéissant. Qui va d'abord se séparer de son orgueil. Tu vois quelqu'un qui est moins âgé que toi. Mais vu qu'il est placé, il a une autre fonction que toi. Il t'envoie. Tu pars sans réagir. Se débarrasser du vieil homme. Et en deuxième lieu, nous allons parler de la persévérance ou l'endurance. Aussi. Donc, nous avons subdivisé notre message en deux parties. La première partie, c'est se débarrasser du vieil homme. Et la deuxième partie, c'est la persévérance ou l'endurance aussi. Mais avant d'aborder cela, nous essayons un peu de connaître qui est Jésus. Tout le monde connaît qui est Jésus. On ne doit pas aborder dans le sens le plus large. Mais nous essayons d'être un peu pragmatiques pour comprendre qu'au-delà
que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu tout na libanda koso sole ti eso mo na nzambe za nzambe vous allez dire aussi qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Je veux que nous puissions connaître Jésus ce matin na kolika to ba yesu na tongo lelo comme notre modèle lokola ndakisa na biso comme notre exemple à suivre lokola ndakisa na biso ya kolanda l'apôtre Paul nous dit Thomas Paul a lobi soyez mes imitateurs bonza la bato ba komekola comme moi je suis imitateur de Christ lolenge ngai pe na mekoli Christ. Donc, il a fait un effort de vivre la vie que Christ a menée. Asali makasi akobika bomoyo Christ abika. Et ce n'est pas facile de vivre comme Jésus. Et ça peut kobika lokola Yesu. La personne qui va y arriver. Si moto ya kokoka. C'est cette personne là qui a enduré. Nde moto yo alimi konyokwama. On ne peut pas tout dire maintenant. Toko lobanyo sote sikao. Simplement si on peut connaître Jésus. Ce que c'est mérito ba Yesu ya Nazareth. Il est notre modèle. Asali ndakisa na biso. C'est quelqu'un qui a tout accompli. Asali moto yo akokisa nyonso. Nous marchons selon ses pas. Biso toko lando. Il a vécu comme ça. Abika kaboye. Et nous devons aussi vivre de la même et manière. Là où Jésus n'avait pas mangé. Et si Kaye soit quitté. Nous aussi nous ne pouvons pas manger là. Peut là où Jésus n'a pas souri. Et si Kaye soit seka quitté. Nous ne pouvons pas aussi le faire. Mais là où Jésus a mangé. Et si Kaye soit lié à terre. Nous pouvons manger. Il est notre modèle. Azali ndakisa. Alléluia. Amen. Il est pour nous un modèle. Azalinda Kisapona Bisu. Et la source de notre foi. Le passage que nous avons lu. Ça nous dit très bien. Que nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Qui nous a ouvert le chemin de la foi. Et qui porte à la perfection. Donc, il est celui qui commence. Et celui qui. Qui consomme même notre foi. Donc, notre foi doit être fixée sur Jésus. Et lui-même est bénéficiaire de cette foi. Voilà. Jésus que nous devons connaître ce matin. La première partie, c'est débarrasser du vieil homme. Se débarrasser du vieil homme, c'est se débarrasser de tout fardeau. Et se débarrasser aussi du péché. Bien aimé dans le Seigneur, si un homme n'a pas changé radicalement pour revêtir de la nouvelle personne, c'est qu'il n'a pas encore connu Christ. Parce que Christ nous dit, ça c'est au travers de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit celui qui vient à Christ devient automatiquement une nouvelle créature. Voilà, les choses anciennes passent. Et toutes choses deviennent nouvelles. Qui peut fixer ses yeux vers Jésus? C'est cette personne-là qui est une nouvelle créature. On peut être tous là. On a reçu le même message. Mais pour comprendre qu'il y a quelqu'un qui a les yeux fixés vers Jésus, c'est lui dont on va trouver ce message qui a produit des fruits. On voit dans sa vie quotidienne, il y a un changement. Mais quand on prêche tel qu'on prêche là, et puis nous voyons que rien ne change, c'est que cette personne ne s'est pas débarrassée du vieil homme. Donc, il reste le même. Se débarrasser de tout fardeau et se débarrasser du péché. L'apôtre Paul lui-même, avant de venir disciple de Christ, il a connu une vie. Les autres disent qu'il était Saül, il est devenu Paul. Moi je ne dis pas comme eux. C'est juste quelqu'un qui avait double nationalité. Nationalité en même temps juif et romain. C'est pourquoi il détenait un nom juif et un nom romain. Mais par rapport à sa vie, nous devons comprendre qu'avant il agissait selon
la loi juive. Et c'est une chose qui est amenée comme ça la colanda manamobe quoi bayuda. Dans cette loi juive, il a persécuté l'Église. Agnoncoli Église en Jésus Christ. Il a fait ce qui semblait bon à la loi juive. À ça qui veut dire qu'il malamu namobe quoi bayuda. Mais quand il a connu le vrai message du Christ. Est-ce qu'on a coupé na sa quoi sur le Jésus Christ? Il était obligé de tuer le vieil homme. Et c'est là qui n'est aboma bomoto ana kala. Le vieil homme, c'était cette personne là qui lui poussait de dire que tout celui qui cite le nom de Jésus est un pécheur. Donc on devait lui jeter des pierres. Il devait mourir. Mais quand il a revêtu du nouvel homme, il a compris que Christ était son Seigneur. Christ était son Sauveur. Alléluia. Amen. Donc, de toutes les façons, nous devons comprendre que avant que nous puissions nous engager à suivre Jésus, à fixer nos yeux sur lui, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche. C'est là même que les autres font une théologie sur Bartimée. Quand il part vers Jésus, il jette son manteau. Donc c'est pour dire que tout ce qui pouvait l'empêcher à retrouver sa vue devait rester et devait rencontrer la personne qui a la guérison qui devait trouver une solution à son problème. Bien aimé dans le Seigneur, si on peut vous poser une question depuis que vous avez reçu Christ, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Il y a beaucoup de gens qui mais le même comportement tu l'avais avant que tu viennes. Et maintenant tu es venu vers Christ. Tu gardes toujours le même comportement. Ce soir, voyez Bissau, tu oublies peut-être que c'est le moi kanda là qui t'éloigne de la famille. Alléluia. Amen. Nous devons nous débarrasser du péché et de tout fardeau de notre entourage qui nous influence toujours à faire du mal. Des gens qui n'aiment pas nous voir être en communion avec Christ. Nous devons nous débarrasser. Nous devons nous débarrasser de tout péché. Mais pour nous débarrasser de tout ça, qu'est-ce qu'il faut? Quelque chose m'a intéressé ici. Il faut avoir la parole de Dieu. Donc, si nous avons la parole de Dieu en nous, c'est très difficile que nous puissions rester le même. Et si nous demeurons dans la prière, nous sommes en communion avec notre Dieu. Et dans notre prière, l'Éternel doit nous donner la capacité de marcher dans la sainteté. Quelqu'un, si quelqu'un te dit qu'il est en Christ, mais il ne mène pas la vie de sainteté, c'est-à-dire qu'il n'a pas connu Christ. Parce que celui qui a connu Christ, sa vie sera caractérisée par ces trois choses. Si tu vois un enfant de Dieu qui commence à ignorer la parole de Dieu, c'est le temps de la parole de Dieu, il voit comme si c'est une distraction. C'est le temps de prière, il voit comme si il est en train d'être étouffé. Pour vivre la sainteté, il voit comme si c'est un dur labeur. Donc, il n'a pas Christ en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas un regard fixé sur Christ. Alléluia. Amen. Débarrassons de nous tout orgueil, la cupidité, le mensonge, et fuir aussi le monde. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, nous parlons de la persévérance ou l'endurance. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est dans le même sens de dire que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous pouvons commencer ensemble. Dans
dans la souffrance, dans les difficultés, et puis toi tu décourages. Moi j'avance. Quand le salaire vient, il sera le salaire de celui qui a persévéré. Si tu te décourages, l'office tu es écarté. Et celui qui a même commencé après toi, s'il persévère jusqu'à la fin, lui sera sauvé. Alléluia. Amen. La persévérance, oui, kapiko, c'est rester ferme dans la foi. Les apôtres, Thomas, je devais parler des pères de l'église. Ces gens sont restés constants dans ce qu'on appelle credo, la confession de foi. Ils ont connu une opposition que vous n'avez pas idée. Mais ils se sont fixés des objectifs. À toutes les questions, ils disaient, nous croyons en Dieu. Pourquoi vous croyez en Dieu? Donc, il est le Père Tout-Puissant. Vous croyez en Jésus qui est-il? Il est le Fils unique de Dieu. Et il est notre Seigneur. Et notre Sauveur. Beaucoup ont perdu leur vie. Mais ils n'ont pas perdu leur foi. Perdez votre vie à cause de la foi. Parce que vous la retrouverez. Mais si vous perdez votre foi à cause de votre vie, vous perdez et la vie et la foi. Alléluia. Amen. Restez ferme dans la foi. C'est ça la persévérance. C'est ça l'endurance. J'aime bien les athlètes. Quand ils courent, vous pouvez voir quand ils démarrent, il y a quelqu'un d'autre qui est dernier. Mais il est dernier. Il ne se décourage pas. Lui aussi continue sa course. Il court. Il court. Ils font leur tour. Mais vous allez commencer à constater que des fois celui qui était le premier est en train de devenir le dernier. Celui qui était le dernier est en train de devenir le premier. Ça, c'est quelqu'un qui a de l'endurance. Ça, c'est quelqu'un qui a de la persévérance. Parce que si tu te décourages, tu vas dire que je suis dernier. Nous sommes à 20. Moi je suis 20e. Quand est-ce que je vais atteindre la première place? Bien aimé, le problème ce n'est pas celui de commencer. Commencer, tout le monde peut commencer. Tout le monde peut faire le commerce. Tout le monde peut croire en Jésus. Tout le monde peut suivre Jésus. Mais l'essentiel, c'est y aller jusqu'à la fin. Et si le salaire vient, c'est le salaire de celui qui est arrivé à la fin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous trouverez ces versets dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les Français ont compris. Et ils ont dit, Balobi, il n'y a pas de rose sans épine. Ah, fololo akitoko ozwango te soki nzube ezadi. Actuellement, les gens pensent que la vie est facile. Sika baba komanza te komo ezapete. Donc tu manges facilement. Olia na bopete. Tu dors facilement. Ola na bopete. Tu te maries facilement. Obala na bopete. Tu as une vie heureuse facilement. Oza na bomo yese mona bopete. Non, ce n'est pas ça. Te ezabopete. Même Jésus. Ata Yesu. Pour nous donner la vie. Pote apesa biso bomo. Lui qui est le consommateur de notre foi. Yeye azamole ya kundima na biso. Il a enduré. Anyo kwa maki. Ce n'est pas facile d'abandonner sa gloire, de descendre quelqu'un qu'on devait respecter par tout le monde. Mais tout le monde le maîtrise. Quand lui pouvait dire, monsieur, va. Mais cette fois-ci, lui-même dit, va. On dit non. On commence à lui donner des injonctions. S'il ne le fait pas, il est chicoté. Mais ce qui m'a plus marqué dans la vie de Jésus, dans toutes ces choses, Jésus est resté, il a gardé sa vie de la sainteté.
Il n'a connu aucun péché. C'est quelqu'un qui a enduré. Il était venu avec un objectif. Mourir pour nous. Même quand c'était le moment. Il voit la vie. Il voit la mort devant lui. Il dit à son père. Il est loin de moi cette coupe de l'eau. Et voilà là il devait même se décourager. Dire que ces gens ici, qu'est-ce qu'ils vont même me donner? Quand je vais mourir pour eux, ils vont me donner quoi? Mais il s'est engagé. Il a accepté la mort. Il est mort. Il est ressuscité. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Donc, la mission qu'il était venu achever, et si dans ce monde, il l'a achevé. Il l'a achevé. Alléluia. Amen. Rien n'est resté. Il a tout achevé. Il a enduré la souffrance. Il a enduré la mort. Parce qu'il savait qu'il devait passer de la mort à la vie. Pour donner de la vie à ceux qui étaient déjà morts. Nous tous, on était morts. On pensait qu'on était vivants. Et pourtant, on était mort. Mais par Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. Et pour celui qui veut connaître la même vie que Christ, il faut qu'il puisse endurer. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde est méchant. Le monde est rempli de gens de mauvais cœurs. Tant que nous sommes dans ce monde, nous allons connaître de l'opposition. Nous serons torturés. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alléluia. Luc chapitre 9 verset 62, qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne du royaume des cieux. Donc, quand tu t'engages, il faut endurer. Si je peux poser la question même au pasteur, pour arriver là où il est aujourd'hui, comment il a fait pour y arriver? S'il vous relate tout ce qu'il a enduré, vous pouvez même pleurer. Pour dire que moi, je ne peux pas supporter. Moi, je ne peux pas. Il a supporté des choses. Il y a même beaucoup de leaders. Quand il est là, il fait des choses. Quand tu te mets, tu te dis, moi, je peux faire plus que lui. Mais si tu sais ce qu'il est en train d'assurer, toutes tes critiques là, il banalise. Il dit que c'est parce que le Seigneur m'a appelé. Quand on te met là, demain on t'insulte. Tu dis quand même trop, c'est trop. Pas même à ce niveau. Ah, et puis tu pars. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que nous parlons de l'obéissance. Je mérais que nous puissions comprendre ça avec le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 12e. Nous allons lire le 6e verset jusqu'au 11e. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 6 à 11. Ah. Or, la nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché entre deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et devant la porte de la prison, les sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut. Et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Allons, poursuivit l'ange. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Ah, tiens, mon cabane, on peut l'attendre, ça va tourner dans ma colo. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision.
Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et soudain, l'ange les quitta. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et dit: ah, maintenant je le vois bien. C'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. Alléluia. Amen. Quand j'ai essayé de comprendre ce passage, j'ai compris que il y a une obéissance débordée. Une obéissance sans limite. Bien-aimé, nous allons comprendre que avant d'obéir, il faut faire confiance. Quand on n'a pas confiance, c'est difficile d'obéir. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils se disent qu'ils ont cru en Christ, mais ils n'ont pas confiance en Christ. Il a confiance en l'huile. Il a confiance en l'huile. En l'eau qu'on va lui donner. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens font plus confiance au pasteur que à Dieu lui-même. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire confiance au serviteur de Dieu, mais on pense que ce pasteur est devenu le plus puissant. S'il lui dit quelque chose, ça va. Donc papa, on a sauté à Taboé. Ce n'est pas ça. Si vous avez la confiance en Christ, c'est votre foi et votre confiance par la connexion de l'Esprit de Dieu qui est dans ton serviteur. Ça fait ce qu'on appelle je ne sais pas, je ne suis pas électricien ou électronicien. Donc la polarité, non? Donc, ils en ont dit plus, non moins, et puis c'est pas bon pour eux. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, pour recevoir le miracle de Dieu, il faut que ce miracle trouve la foi qui est en nous. Donc, pour croire à ce miracle, il faut croire au faiseur des miracles. Et le faiseur des miracles, ce n'est pas seulement le serviteur de Dieu. Mais le miracle vient d'en haut. Et ça passe par le canal du serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, dans cette obéissance débordée, j'ai compris que la vie de Pierre ne dépendait que de son obéissance. Quand on se met à obéir, qu'on ne tienne pas compte des obstacles. Parce que les obstacles, il y en a toujours. Et il y en aura toujours tant que nous sommes dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas que, quels que soient les obstacles, faut que nous ayons toujours un regard fixé sur Jésus. En toute obéissance, nous allons échouer. Alléluia. Amen. Voilà dans le contexte de Pierre. Ce n'était pas facile. 4 escouades de soldats. Beaucoup de gardes un peu partout. Il avait des chaînes. Mais malgré tout ça, l'ange entre. Papa, lève-toi. Aussitôt Pierre se lève. Il lui dit: porte ton manteau. Il n'a pas hésité. Il l'a porté. N'oublie pas aussi tes sandales. Porte aussi. Aussitôt Pierre a porté. Toutes les recommandations que l'ange lui a données, Pierre a obtempéré. Maintenant marchant. Là où il marchait, il y avait des militaires. Les autres peut-être regardaient. Mais ils n'avaient pas la capacité de le stopper. Il marche. Il y avait même la porte de fer avant de sortir. Pierre pouvait se dire: comment nous allons traverser?
mais parce que il avait obéi à tout là où il y avait la porte, il y a une voie qui s'est ouverte. Il est passé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a un regard fixé sur l'objectif, on oublie tout ce qui est, tout ce qui nous entoure, qui peut nous empêcher d'atteindre l'objectif. Avec le serpent d'airain que Moïse avait levé, on devait comprendre que malgré les temps difficiles, les petits serpents qui pouvaient mordre, mais si on a un regard fixé sur l'objectif, sur les serpents des reins, ces petits serpents ne pouvaient rien faire. Leur venin n'avait aucun effet. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre a obéi. Il était délivré. Les Israélites, avec Moïse, ils ont observé la loi d'observer, de regarder le serpent des reins. Ils ont résisté à la mort. Alors toi, ce matin, est-ce que tu es obéissant, obéissante à la parole de Dieu? La Bible nous dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand cette voix à toi, restes-tu obéissant? Est-ce que tu écoutes cette voix? Bien aimé, la Bible nous dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient avec les yeux charnels. Qu'est-ce qu'il va me dire? Mais si on a des yeux spirituels, nous allons comprendre que dans cette parole, il y a notre salut. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Parce qu'il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Restons obéissants à lui. Dans notre obéissance, rien ne pourra nous échapper. Nous allons à tout prix réussir. Que cette parole touche les cœurs de quelqu'un et que ça produise des bons fruits. Que ça nous interpelle tous. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous nous plongeons dans la prière pendant une ou deux minutes pour demander encore à Dieu de nous rendre dociles, de nous rendre obéissants. Nous avons beaucoup raté des opportunités de connaître le bienfait de Dieu. C'est parce que quand sa voix est venue, nous avons endurci nos cœurs. Nos yeux n'étaient pas restés fixés sur lui quand le malheur était venu. Amen. Mais que ce Dieu nous donne des cœurs qui vont comprendre que lui seul est Seigneur et Sauveur. Et que nous soyons obéissants à lui. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ton peuple s'est approché de toi. Son peuple. Ce peuple aime que tu fasses quelque chose, Jésus, pour qu'ils viennent à toi et qu'ils comprennent que Dieu est Dieu. Jésus, qui fait toutes choses. Nos yeux doivent être fixés vers toi, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu qui réalise toutes choses. Toi, le Dieu qui réalise toutes choses. Toutes choses ont été faites par toi. Tout est à toi et tout est pour toi. Donne-nous le cœur obéissant. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aies à voir de cœur reconnaissant, obéissant et docile à ta parole. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Agis dans la vie de mes frères bien-aimés qui suivent ces messages aujourd'hui. Que leur cœur soit touché. Que leur cœur soit touché
sois inondé de ta grâce, qu'ils aient des regards fixés vers toi, même pendant des moments difficiles, qu'ils comprennent que quand leurs yeux sont tournés vers toi, ils vont recevoir la délivrance et la guérison. Merci, notre Dieu. Merci de ta grâce. Merci de ton salut que tu accordes dans la vie des enfants. Merci infiniment. Merci, éternel notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Vous avez très bien écouté le message. Ce message vous a touché. Vous vous êtes reproché de quelque chose. Vous avez cru en Christ. Mais vous remarquez que vous ne marchez pas dans la sainteté. Vous remarquez que vous ne restez pas obéissant à Dieu. Vous remarquez que vos yeux ne sont pas fixés sur Jésus. Quand la souffrance arrive, vous vous découragez. C'est ça le moment. Ça, c'est une interpellation pour vous. Christ a besoin de vous. Christ a besoin de vous. Christ a besoin de vous. Juste un engagement ce matin. Dire tout simplement que Christ, je veux être obéissant à ta parole. Je veux garder mes yeux fixés vers toi. Tu fais ça comme un engagement que tu prends. Tu le déclares. Tu dis à ton Jésus, j'aime être obéissant. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je veux être obéissant. On peut le dire encore, je veux être obéissant. Je veux être obéissant. Et je veux garder mes yeux fixés vers toi, Jésus. Et je veux garder mes yeux fixés sur toi, Jésus. Je veux garder mes yeux fixés vers toi, Jésus. Je veux garder mes yeux fixés vers toi, Jésus. Et pour toi qui t'es retrouvé dans de mauvaises conditions tout ce temps, dis seulement, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Encore une fois, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Que Dieu le fasse selon ta demande. Au nom puissant de Jésus. Nous recommandons le reste de la journée entre les mains de notre Dieu. Sans oublier notre église, notre pays, tous ces moments que nous traversons, notre Dieu, c'est Dieu qui nous a demandé d'avoir les yeux fixés vers lui. Qu'il fasse quelque chose pour nous. Qu'il fasse quelque chose pour notre église, pour notre pays, pour nos vies. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, aide-nous Seigneur à vivre la sainteté, à vivre ta bonté, à vivre la vie que toi tu veux que nous puissions. Guéris notre pays, soutiens notre église, vivifie tous tes enfants, tous ceux-là qui sont venus vers toi, tous ceux-là qui nous suivent, même en direct, qu'ils vivent ta grâce au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ces jours. Merci pour ces cultes. Merci pour tes merveilles. Le message nous a touchés. Ça nous a demandé d'être obéissants et de garder les yeux fixés vers toi. Ce n'est pas facile à endurer. Mais avec toi, nous y parviendrons. Aide-nous à y arriver. Avec toi, nous y arriverons. Touche les cœurs de tes enfants qui ont donné leur vie à toi. Qu'ils vivent la vie de la sainteté. Qu'ils marchent dans ta sainteté. Qu'ils demeurent dans la vie de prière. Et que ta parole soit leur vie. Aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, nous partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 2020. C'est ma saison de portes ouvertes et de nouvelles possessions au nom de Jésus-Christ. C'est mon partage et c'est ton partage. Le peuple obéissant et qui a les yeux fixés vers Jésus, que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Allez dans sa paix parfaite. Acclamons très fort dans cette foi. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer,
élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon peuple sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon peuple sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux. Jésus.